Yo tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, petite vidéo un petit peu spéciale puisque je pars sur Paris donc pour la Paris Games Week, donc la PGW. Et puis là je suis en route donc pour Paris, il fait déjà nuit, donc il est déjà 18h. Et puis donc là on est sur l'autoroute, voilà, je ferai peut-être quelques petits arrêts, je vous ferai quelques petits plans. Et puis demain la journée sur la Paris Games Week, c'est parti pour le vlog. Donc là il est 19h30, je m'arrête un petit peu, c'est l'arrêt pissou. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien je suis une grosse pisseuse, oui, toutes les 2 heures je fais ma pause. Donc là je vais m'arrêter et puis je vais également manger un petit bout. Donc désolé si j'ai une tête un peu de fatiguée, je suis levé depuis quand même 6h30 ce matin. C'est vrai que ça commence à piquer un peu, d'ailleurs si vous avez vu, je me suis rasé. Et puis j'ai une nouvelle coupe de cheveux, mais bon, on verra ça mieux demain. Je sors des toilettes, j'ai pissé 10 litres, une pire qu'une vache. Petit placement de produit, les sandwichs Sodebo, suédois, jambon cheddar fondu. Et bien évidemment, pour la boisson, le petit Arizona. Bon appétit les amis. Deuxième arrêt pissou, oui, je vous avais dit, je suis une vraie pisseuse. Hein. Donc là, il nous reste encore 1h42 de route. Faut le constater, je suis fatigué, très fatigué. Voilà. Mais il reste encore un peu de route avant d'arriver sur mon point de chute, mon point de rendez-vous dans ma famille. Et demain, la PGW. Je viens d'arriver, il est minuit, je suis naze. Et bien écoutez les amis, on se retrouve demain pour la suite de la Paris Games Week. Et puis on va passer, je pense, une bonne journée, je vous montrerai mon programme. Allez, bonne nuit. Yo les amis, deuxième jour, donc direction la PGW, il est 7h34, on a une petite heure de route, donc on va arriver un petit peu après l'ouverture je pense, surtout s'il y a un peu de monde à l'entrée, bon mais voilà, mais on sera à l'heure, donc c'est parti pour la journée PGW. We'll be right back.
Il mérite des cadeaux. Il mérite des cadeaux. Non, on va venir un peu. Voilà les amis, on est de retour au studio, c'est la fin donc de la Paris Games Week, donc là je suis de retour au studio, c'est le troisième jour, donc on peut le voir, je suis un petit peu fatigué, donc vous m'excusez d'avance par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux retenir bilan donc de cette Paris Games Week? Et ben franchement c'était incroyable, c'est la première fois que je faisais ça, j'ai découvert plein de choses, j'ai pu voir des youtubeurs, j'ai pu rencontrer également Tartinex alias Valentin. Pour ceux qui sont un petit peu fans de cet univers, un petit peu geek, un petit peu high-tech, un petit peu nouvelle technologie, franchement si vous l'avez jamais fait, c'est un truc à faire, moi j'ai surkiffé. Après c'est vrai que c'est assez grand, donc on a beaucoup piétiné, j'avais mal aux pieds. Après au bout d'un moment la musique elle est quand même assez forte, donc c'est vrai que c'est quand même au bout d'un moment assez relou, mais franchement c'est un truc à faire, voilà. Enfin moi je vous le conseille énormément, vraiment. Moi ce que j'ai retenu, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était franchement la partie dédicace et rencontre avec Tartinex, c'était le top. D'ailleurs bah, comme vous pouvez le voir, bah, il m'a fait une dédicace, voilà, là on peut voir ici pour Bruno Tartinex. Ça franchement je vais l'afficher, je vais faire un petit setup là derrière, vous allez voir bientôt des familles, c'est le top. En termes de goodies, et ben j'ai visité Shadow. Donc en fait Shadow c'est quoi? C'est une marque d'ordinateur en fait en cloud. Ça se présente comment? Vous avez un processeur Intel Xeon 8 coeurs
12Go de RAM en DDR3, 256Go de stockage en carte mémoire SSD et une carte graphique NVIDIA, la plus grosse, la 1080. C'est un abonnement mensuel pour payer au cloud, pour avoir accès à ça. En fait, c'est tout du dématérialisé, en fait, ça se fait de plus en plus maintenant aujourd'hui. Et ça, c'est en France, c'est dans des serveurs français en plus. Et c'est dématérialisé. Et ça, on a eu des petits goodies comme ça. En fait, donc on a une petite fiche explicative, la petite gazette, en fait. Alors, je l'ai pas lu, mais je pense que ça explique un petit peu par rapport à ce qu'ils font. Hein. Voilà, il y avait une petite pub, une boisson achetée, une boisson offerte avec la marque Meltdown Paris. Donc là, comme on peut le voir, un porte-clés Shadow. On a un petit t-shirt également. Ce petit boîtier est plus puissant que ton PC. Petit t-shirt Shadow des familles. Franchement, plutôt sympa. Et franchement, ça, c'était cool comme goodies. J'ai pu voir également Jojo et Mastu. Alors, je les ai pas rencontrés personnellement, mais je les ai vus de loin. À un moment également, j'ai pu voir Farod Games. Qui faisait une compète de jeux de cartes avec la marque Shadowverse. J'ai un petit peu craqué. J'ai acheté une Woodbox, qui est la Woodbox de Mars. Alors, je ne vous la déballe pas, mais je vous ferai une prochaine vidéo déballage unboxing Woodbox PGW. Alors, cette Woodbox est déjà sortie, puisque c'est la Woodbox de mars 2017. Mais j'ai dit, tiens, j'ai envie de lancer un petit concept de unboxing. Il y a pas mal de youtubeurs qui le font. Donc, bah, les amis, voilà, c'était PGW. Franchement, si c'était à refaire, je le referais 100 000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois. C'était comme ça. J'espère que vous avez apprécié mon vlog. J'espère qu'il n'a pas été trop long. C'est vrai que j'ai eu un petit problème de batterie également. J'ai pas pu tout filmer toute la journée, mais j'ai filmé les 3 palais. Donc, le premier palais, le deuxième palais et le troisième palais. Bah, écoutez, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous lâchez un maximum de likes pour me soutenir. Également, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, bah, tu peux le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Et puis, bah, moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Nono.